Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à Villeneuve-Loubet, bienvenue au Musée d'histoire et d'art, musée militaire, maison de l'histoire, que j'ai créé il y a 30 ans déjà, le temps passe. Dans cette collection que j'ai mise donc à Villeneuve-Loubet, vous allez voir des périodes qui ont été bouleversantes et qui ont nécessité un travail important. Mais cette maison de l'histoire est surtout faite pour la jeunesse d'aujourd'hui et celle de demain. Car il ne faut jamais oublier le passé. Et en ce centième anniversaire de la Grande Guerre 1914-1918, eh nous sommes tous très attentifs et nous pensons bien évidemment à tous ceux qui ont donné leur vie pour que vive la France. À ma droite, des pièces principales Foch, généralissime un portrait fait par Alfred Nettement en 1919. J'ai eu cette toile par un de mes amis, qui était le petit-neveu de Pierre-Etienne Flandin, l'ancien président du Conseil à l'époque, et qui l'avait donc hérité. Et un jour, venant chez moi, il m'a fait donc le don de cette magnifique œuvre, ainsi que ce masque mortuaire du maréchal Foch, qui m'a été... Offert par M. Bunier. Vous avez là le wagon de Rotonde, une réplique du wagon de Rotonde, dans lequel a été signé le 11 novembre 1918 l'armistice. Sur cette affiche, vous avez Foch avec le général Végan, les plénipotentiaires allemands, belges, bon, qui signent donc cet armistice. Deux grandes personnalités ont vécu à Villeneuve-Loubet. L'un est né à Villeneuve-Loubet. C'est le grand chef de cuisine Auguste Escoffier, dont vous avez le, la maison natale et le musée 50 mètres plus loin que le musée d'histoire et d'art. Et puis vous avez aussi la propriété, l'ancienne propriété du maréchal Pétain, car en 1920, euh, Pétain a acheté une propriété qui s'appelait l'ermitage. Il a acheté 12 hectares pour 120 000 francs et cette propriété, bien évidemment, euh, a été confisquée euh, aux environs de, après la Seconde Guerre mondiale, vous savez bien sûr pourquoi. Euh, là, vous avez tous les vainqueurs, si je peux dire, tous les, tous les, grands, euh, tous les grands chefs de l'époque de la Première Guerre mondiale, avec Foch, Joffre, Pétain et Clémenceau sur ce panneau, et puis ici, donc, les autres généraux. Alors, au passage, bien évidemment, je ne pouvais pas euh, ne pas parler de ma famille, euh, qui euh, a fait mon grand-père paternel capitaine à Verdun. Mon grand-père maternel, qui se trouvait aussi lors de la Première Guerre mondiale en Champagne, et puis bien d'autres bien, bien, bien parents qui ont fait mon père la Seconde Guerre mondiale, un de mes oncles l'Indochine, moi j'ai fait l Algérie. enfin bref, ceci étant dit, je, je salue, je, je vous présente donc ma famille qui a fait aussi en son temps, eh bien, son devoir de Français. Ici, vous avez plusieurs maquettes qui ont été faites par Joachim Poveda, un monsieur qui a fait la Seconde Guerre mondiale et qui a voulu rendre hommage eh bien, à tous les soldats français et alliés en faisant cette magnifique maquette qui représente donc la Normandie, qui représente la Pointe du Hoc, qui représente le département donc, en Normandie, Hein, vous avez un romanche là-bas, vous avez les parachutistes qui sont symbolisés hein, au-dessus de Sainte-Mère à l'église. Vous, vous avez la digue qui a été pensée, pensée et, par Lord Monbaton, le cousin germain de la reine d'Angleterre, avec ici les Anglais. Ici, vous avez l'armada américaine qui arrive donc devant la pointe du Hoc. Et la, le premier bateau français qui s'appelle donc le Georges Leg, nom du ministre de la guerre de l'époque. Et ici vous avez un, un capitaine de la, des troupes de marine, ensuite vous avez un, un lieutenant-colonel euh, de l'armée d'Afrique, des tirailleurs algériens, euh, la tenue donc d'un général. Hein, tout ça, ce sont des tenues que les familles ont eu la gentillesse donc, de m'offrir. De et alors cette, cette infirmière ambulancière qui habitait Cagnes-sur-Mer et dont l'époux était le colonel Denain s'appelait donc Jacqueline Denain. C'est une personne qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps, et je suis très heureux d'avoir donc cet uniforme qu'elle a porté en Italie, parce qu'elle a fait donc la Seconde Guerre mondiale, elle faisait partie donc du corps expéditionnaire français en Italie. Villeneuve-Loubet a été bien évidemment libéré par un commando, et là, je parle bien sûr de la Seconde Guerre mondiale, par un commando euh, euh, américano canadien qui s'appelait la First Special Service Force. Et ce commando... Euh, américano-canadien, canadien, donc est venu par euh, des villes de voix qui, euh, les uns parlaient anglais, M. Bardana entre autres, et puis par Paul Fournier, euh, des jeunes villes de voix qui après ont fait la résistance, sont partis en Indochine, ont accompagné donc ce commando pour libérer, le, pour libérer le château, et puis après donc ils ont libéré Villeneuve-Loubet, et puis ils sont partis du côté de Cagnes-sur-Mer pour remonter sur l'Otion, pour donc libérer donc, le sud-est le sud de notre pays. Bien, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez ici le mannequin avec donc, euh, la tenue du poilu. Hein, donc, euh, les poilus sont partis euh, en 14 avec euh, les pantalons rouges, rouges garances, hein, ce qu'on appelle les pantalons cuisses et crevice. Et puis, euh, pour euh, ne pas être trop vu de l'ennemi, l'uniforme a changé et ça a été donc le, cette tenue, le bleu horizon. Avec lesquels donc les soldats combattaient. Il faut bien reconnaître que ce n'est pas le même tissu que nous avons à l'heure actuelle, car dans les tranchées de 14-18, avec la boue, la pluie, les rats et j'en passe, euh, les pauvres combattants, nos pauvres poilus, ont dû avoir en plus des problèmes de, de nourriture, euh, le moral, comme on dit dans les chaussettes. Ils avaient donc des vêtements qui euh, certainement euh, étaient toujours très mouillés, hein, donc euh, beaucoup plus de difficultés pour, pour pouvoir survivre. Voilà alors quelques tenues donc, de l'armée française partant de 14-18 à nos jours. Vous avez donc ici euh, le spahi avec sa vareuse rouge, le tirailleur algérien que vous avez ici avec, euh, en bleu avec la chéchia et le ceinturon rouge. Vous avez le, le légionnaire avec bien évidemment le képi blanc. Mais ça, c'est plus récent parce qu'en 14-18, la tenue était différente. Derrière, vous avez le, un goumier. Alors, ça, ça fait partie de l'armée d'Afrique. Tout ce qui est tirailleurs, spahis, goumier, légion étrangère, c'est l'armée d'Afrique. Là, c'est une tenue que nous avions en Algérie. Le chasseur alpin, incontournable dans les Alpes-Maritimes. Alors, bien évidemment, sous la tenue donc, du gendarme, avec la fourragère, comme je vous le disais, donc bleu donc euh, euh, d'Afrique euh, j'ai voulu mettre euh, cette euh, émouvante euh, photo du Lionel colonel Arnaud Beltram euh, qui comme vous le savez a été tué dans des circonstances abominables mais Villeneuve-Loubet a voulu lui rendre hommage en euh, donnant son nom à la gendarmerie donc que nous avons ici à Villeneuve-Loubet qui est la gendarmerie donc, de Villeneuve-Loubet la colle sur loup nous avons été Monsieur le Maire a été Monsieur Lionel Lucas maire de Villeneuve-Loubet a été un des premiers, sinon le premier, à donner ce nom, euh, le nom donc du colonel Bertram, à la gendarmerie. Et je trouve un peu scandaleux que certaines personnes polémiquent hein, euh, lorsqu'on veut donner le nom d'un héros. Bien, euh, un, musée, un musée ne peut pas occulter, un musée de l'histoire, une maison de l'histoire ne peut pas occulter certaines périodes euh, que euh, le pays a vécues. Et bien évidemment, j'ai voulu, dans cette maison de l'histoire, que l'Indochine soit, y soit représentée, que l'Algérie, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, qui ont été des moments douloureux, forts pour notre pays, où il y a eu des promotions en Indochine d'officiers de Saint-Syriens qui sont morts hein, pour euh, défendre donc euh, ces territoires. Donc j'ai voulu rendre un hommage à euh, cette euh, génération, à ces combattants, à ces prisonniers. Hein, car il ne faut pas oublier que les prisonniers d'Indochine hein, ont vécu des moments aussi douloureux et aussi importants que ceux qui ont été pris par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ici, l'Algérie. Oui, il y a soixantaine ans que l'Algérie n'appartient plus, à plus un département français. Mais nous avons fait quand même du beau travail. On n'a pas à rougir. L'armée française n'a jamais perdu la bataille. Je ne dirais pas, pour ne pas faire de polémique, que ce sont les politiques qui donnent les ordres et que les militaires exécutent. Donc l'armée française a toujours fait aussi bien en Indochine qu'en Algérie son travail avec euh, honneur et fidélité. Et puis pour, pour terminer donc, cette, euh, ce, ces deux étages concernant ma collection, euh, voici donc euh, la plus jeune génération ce qu'on appelle les OPEX, les soldats qui sont en opération extérieure, qui ont fait Colvésie, le Liban, le Tchad et j'en passe. Euh, voici donc une des tenues hein, des, les plus récentes et je rends hommage donc à, à notre armée française qui aujourd'hui fait un travail remarquable aussi bien euh, sur les cinq continents, sur les cinq continents euh, et pour lesquels nous devons avoir énormément de, de respect euh, car eux aussi, à l'intérieur de leurs unités, eh bien, souvent, trop souvent, euh, de jeunes soldats perdent leur vie. bien, alors, donc ici nous nous trouvons au premier étage, donc, du musée, et comme c'est un étage d'exposition temporaire, où je fais euh, quatre ou cinq expositions par an, suivant les thèmes, ou des thèmes euh, mémoriels, ou artistique. Mais là, pour l'instant, vu que c'est la fin de cette grande commémoration qui a eu lieu en France du centième anniversaire de la Grande Guerre, j'ai voulu rendre hommage aussi à la Force Noire. La Force Noire, qu'est-ce que c'est Eh bien donc, ce sont ces hommes qui sont venus d'Afrique équatoriale française, d'Afrique occidentale française, c'est-à-dire de l'Afrique noire, qui ont servi dans l'armée française et qu'on a appelé les tirailleurs sénégalais. Alors j'ai voulu donc leur rendre hommage que ça a été des soldats extraordinaires. Euh, L'armée française donc, et la France leur doivent beaucoup. Ce furent de grands combattants, ce furent, furent tous euh, des, des serviteurs de la France. Cette exposition commence donc ce jour hein, et termine le 2 novembre. Le musée est ouvert du mardi au dimanche. Et puis je terminerai donc euh, en disant que je vais prendre... Le, euh, la devise de souvenir français, en mémoire donc de tous ces soldats, de tous ces gens militaires ou civils qui sont morts donc pour la France, à nous le souvenir, à eux l'immortalité.